Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier vlog de la saison. Ça y est, c'est officiel. On est au Havre. On a été au stade hier pour le match face à Dijon. C'était sensationnel. Là, on part direction 3, comme vous l'avez vu dans le titre, pour faire... Là, on a fait 50% du travail. On voulait que le Havre remonte en Ligue 1. Maintenant, on veut que Lille aille en Europe. Il faut pas de choc, ça. Franchement, je veux vivre un week-end de fin de saison exceptionnel. On sera pas tout seul sur ce vlog. Il y a un monsieur, ça fait très très longtemps que vous l'avez pas vu sur les vidéos. Et il va m'accompagner. Ça fait extrêmement plaisir. C'est parti. Bien arrivé à Troyes. On est dans un logement 5 étoiles. Je vous le dis, mieux que les fourberies qu'on a vues auparavant. Je vous le dis, on est carrément... Nouvelle recrue. Déjà, monsieur Mathieu, bien sûr. Là. Ça, c'est mon club, ça. Ça, c'est mon club. Ça, c'est mon club. On l'a mis en rouge pour aujourd'hui. On est au Crous. Voilà. On est au Crous, on est dans un club. Transition. Je regarde. Hop, c'est bon, l'encre, il est fini. Allez, transition. Là, franchement, ça va être incroyable. En tout cas, tout sans rouge. On l'a converti au LOSC pour aujourd'hui. Ouais. Parce que t'es. Toi, t'as pas parce que moi je suis lillois de base. Non, il aime la ville de Lille. Donc je lui ai dit, non, de base c'est tout en rouge aujourd'hui, ouais. au stade. Donc du coup voilà, j'ai converti le monsieur au moins pour la chose. Donc c'est parti. Direction un cortège. Est-ce que je peux faire la transition? Vas-y. Allez. Merde. On la refait. Transition sensationnelle. On est à 3, je vous rassure, hein. c'est n'importe quoi. Le cortège en préparation. La très belle ville, hein, quand même. On tient à dire, on est très bien accueillis. Franchement, les Troyens, on kiffe. On arrive déjà au stade de l'eau. Ça va être cool, ça va être lourd. Et oui, Adi, bien sûr. Et là, on est arrivé bien gentiment. Tribune Seine, juste derrière les cages. Juste à côté du. En fait, on est dans la tribune, moi, ce que tu veux. Et voilà! On est passé à la buvette. Et c'est parti. Pour le dernier match de la saison. Les gardiens, Lucas Chevalier.
un peu style. Bien sûr. Quel régal! Bon, j'espère qu'il va pas marquer. Ou alors, s'il marque, que Lille gagne. Mais ça fait plaisir, on l'a vu en Gambardella l'année dernière. Et là, de le voir maintenant, ça fait très très plaisir en pro. Donc voilà, on lui souhaite le meilleur. Et l'entrée des joueurs sur la pelouse. Le jardinier de Troyes qui part à la retraite. Merci pour cette vie que vous êtes parti ici. Non, vraiment, bel accueil à Troyes, donc forcément obligé de les respecter. On kiffe. On reviendra quand il arrive en Ligue 2 l'année prochaine. On essaiera de faire un petit match sympathique. Mais très très bel accueil à Troyes, donc franchement ça régale. Jonathan Harvey. Le numéro 10, Rémi Cabrera. Le numéro 11, Alain Ounas. Le numéro 18, Bafodé Diakité. 40, Jesse Moulin. Le numéro 19, Andreas Bruns. Le numéro 33, Rudy Bon. Le numéro 10, Florian Tardieu, qui fait son retour et qu'on salue. Le numéro 28, Derek Mazouzako. Le numéro 29, buteur lors du mondial U20 avec la France, Wilson Odobert. Le numéro 26, Papa Yadé. Le numéro 27, Kylian. Oui, mon gars! Patrick Kisner, bon, les arbitres. Quelle fierté! Jérémy Stinas à l'arbitre principal. Adil Rabi! Adil Rabi! Déplacement au Kosovo, en Arménie, en Angleterre, on veut vivre l'année prochaine. Et avant que ça commence, vous avez vu là-bas c'est vide, pensez aux supporters ultra troyens des Magic 3 qui sont interdits de ça maintenant depuis quelques temps par leur club. Le football se vit aussi à travers les ultras et c'est eux qui donnent une âme encore un peu plus importante au club. Donc gros soutien à eux en espérant les revoir supporter leur club la saison prochaine quoi, mais c'est un peu dommage de clôturer là-dessus pour ça. Trop lourd. Oh non. On oublie jamais ça. Bon allez, un petit 8-6. 8 buts pour le LOSC et 6 buts de Kylian Dong. 8-6 en référence à la vérité. Voilà. Okay. Est-ce que tu pourrais mettre la tête d'Adil Rami en bas à droite de l'écran juste pour lui rendre hommage? Je dois le prendre après. Comme la dernière fois, ils nous avaient battu 3-0 avec 3 pénaltys. 3-0. Par contre, c'est dingue parce que quand les Lillois chantent plus, ça pue un bruit. On l'arrête
L'arrêt monstrueux de Lucas Chevalier. J'ai bégayé en filmant, mais je vous le dis, incroyable. Et il avait fait tellement de sale, Mama Baldé, il avait fait un truc de ouf. Mais... Oh. C'est que chaque première mi-temps, jamais on arrive à faire quelque chose. À chaque deuxième mi-temps, par contre, on est monstrueux. Genre, on va savoir pourquoi. Le neuf aux armes. Nous sommes les Lillois et nous allons gagner. Ah bah c'est pas grave, moi ils savent qu'ils peuvent marquer hein. Il n'y a pas un mur invisible. Il y a Rémi, il y a Léonas. Ça va être un mal. Oh là là. T'es toujours aussi nul là du côté de du Lost. J'ai l'impression qu'il ne faut pas être cardiaque avec nous. Voilà. Ça revient. Qui marquera ici pour la deuxième période. Allez, Adam! Voilà! Ouais! Comment ça? Hors-jeu? Hors-jeu, ouais, c'est la vie de ta mère! Mais pourquoi ça? Mais non! Assassin! Lille.
abusé là, frère. Oh, il a lu le penalty, putain. Monaco qui vient d'égaliser en plus. On va prendre. C'est une dinguerie. Il reste 10 minutes. La police contre-attaque là, l'Empire contre-attaque. On va se faire niquer l'Europe dans les tout derniers instants, c'est sûr. Ricard pour Mario, iaiao. L'arrêt zinzin, putain. Oh, allez, allez, donne. En vrai, les refs, quoi qu'il arrive, c'est les barrages de conférence qui nous attend. Donc c'est l'Europe. José Fonte. Allez. Bon, un peu chiant quand même. Faire des points vêtements ici. Il y a le speaker qui me parle en donnant un beau discours. Non, franchement, ce sont des bons, on aime bien. Bon, on espère vous revoir vite en Ligue 1. Et voilà l'équipe, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de débriefer un petit peu toute cette saison du LOSC, etc. Franchement, merci aux Troyens pour l'accueil parce que c'était vraiment lourd. On a kiffé. Franchement, c'était incroyable. Un des beaux déplacements de cette saison où on s'est vraiment régalé avec le cortège, etc. En plus, franchement, d'un point de vue là, je vous souhaite vraiment de revenir en Ligue 1 parce que la mentalité est très très belle. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, franchement, grosse force à vous pour cette prochaine saison en Ligue 2. Vous avez, voilà, si vous gardez des joueurs ou autres, où vous avez largement le potentiel pour remonter directement en Ligue 1. En tout cas, du côté du LOSC, bien évidemment, ce match est frustrant. Et oui, parce que voilà, on va chez une équipe qui est déjà reléguée. On fait un match nul. Voilà, on affronte les 4 relégués de cette saison. On prend sur la phase retour seulement 5 points sur 12. Donc ce qui est quand même un peu léger. On va pas se mentir. Et c'est là où ça nous fait perdre l'Europa League. Mais faut être honnête. Et parce que surtout, qui de nous n'aurait pas signé pour une 5e place qualificative en Conference League en début de saison? Quand on connaît la situation du LOSC, voilà, les problèmes financiers, etc., qu'il y a eu avec le départ de Gérard Lopez, Fonseca, l'arrivée, etc., un peu miraculeuse, qui nous a proposé du beau jeu quand on a subi un petit peu cette saison de Gourvennec, malgré bon, ce beau parcours en LDC l'année dernière, il faut ne pas oublier de le souligner, mais quand même, franchement, c'était un pur kiff cette saison. Donc voilà, hâte d'être en août, tout simplement pour vivre ce déplacement européen et de revivre cette saison de Ligue 1 qui s'annonce épique. Donc voilà, franchement, j'ai très très hâte. On a pris l'abonnement en plus pour la première fois au LOSC. Franchement, je suis très content. Ça veut dire que je vais essayer de venir beaucoup plus souvent à Lille que d'habitude. Donc voilà, vous aurez des vlogs un peu plus facile, un peu plus régulier tout au long de l'année sur le LOSC, bien évidemment. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bonnes vacances pour ceux qui seront en repos, et on se retrouve en août. Il y aura du contenu quoi qu'il arrive sur la chaîne, mais c'était le dernier vlog de cette saison. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, c'était Drops, ciao l'équipe. Yeah, could've gave you everything, but you lost me.